Salam alaikum, chers étudiants. Donc, on va essayer de terminer aujourd'hui le deuxième chapitre sur la gestion du processus. Vous connaissez maintenant qu'est-ce qu'un processus, quels sont les états par lesquels passe un processus, les états élus, les états prêts, les états bloqués, quelles sont les conditions qui mènent d'un état à un autre état, donc les transitions. Comment l'ordonnanceur, donc l'ordonnanceur, on a parlé de l'ordonnanceur bas niveau, l'ordonnanceur haut niveau. Quel est le rôle de l'ordonnanceur? Donc, on a vu qu'il y a différents types d'ordonnancement. Il y a ceux qui sont préemptifs, d'autres non préemptifs. Donc, le temps partagé, donc avec le quantum, il y a avec le plus court job d'abord, il y a first in, first out avec priorité. On a parlé même de l'ordonnanceur haut niveau qui s'occupe du va-et-vient entre la mémoire centrale, la RAM, et la mémoire d'échange qui est une partie du disque dur. Donc, nous avons vu donc la dernière fois qu'à un certain moment, les processus, il y a la compétition et la concurrence d'accès aux ressources. La ressource processeur, donc on le résout par l'ordonnancement. Il y a la ressource, par exemple, elle veut accéder à la RAM. Donc le gestionnaire de la mémoire s'occupe de donner à chacun donc la place. Il y a de la place. La concurrence d'accéder aux autres ressources, le disque, le clavier, etc. Et donc on a dit que il faut gérer ça. Donc, lorsqu'il y a une ressource partagée, il ne faut pas l'allouer à un autre processus lorsqu'un autre processus n'a pas fini de travailler avec cette ressource partagée. Nous avons vu ça via un exemple de spool d'impression. Donc, de le spool d'impression, on a dit que il y aura donc des dégâts. Par exemple, le processus A ou le processus B, il y aura un travail qui va écraser. Et donc, l'objectif, c'est ne pas donner la main à un autre processus lorsqu'un autre processus. Donc, dans notre cas, ici, la variable partagée, c'est la variable global in. Donc, les deux processus manipulent cette variable. Donc, lorsqu'un n'a pas terminé avec, il ne faut pas donner la main à l'autre. Donc, voilà, on a parlé de l'exclusion mutuelle. L'exclusion mutuelle, exclure quelqu'un, c'est ne pas le laisser mutuel. Ça veut dire lorsqu'un processus est dans la section critique. Donc, la section critique, on a parlé de la section critique. On a dit que la section critique, c'est la partie du code ou bien dans laquelle il y a une ressource partagée, il y a un conflit d'accès à cette ressource. Donc, la partie du code dans laquelle il y a le conflit d'accès s'appelle la section critique. Et le mécanisme de ne pas laisser deux processus aux trois, si on comprend le problème avec deux processus, donc voilà, on peut le généraliser. Donc, le mécanisme d'interdire à deux processus au moins de manipuler le même objet partageable s'appelle l'exclusion mutuelle. Aujourd'hui, on va s'enchaîner sur ce point pour voir les méthodes d'exclusion mutuelle. Nous allons voir qu'il y a deux types d'exclusion mutuelle. Il y en a plus. Il y a par exemple les sémaphores. Les sémaphores, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc voilà, je l'avais pas intégré dans ce cours, mais vous pouvez le chercher si vous voulez. Mais donc voilà, on va parler ces méthodes d'exclusion mutuelle, ou bien ces primitives, c'est d'exclusion mutuelle. Le M, c'est l'exclusion mutuelle. Nous avons parlé de la première série de masquage des interruptions. Nous avons dit, faut-il autoriser un processus utilisateur à masquer toutes les interruptions, ou bien seulement le permettre au processus système. Nous avons dit que le masquage des interruptions, c'est un mécanisme dans lequel, lorsqu'un processus a la ressource processeur,
Il masque toutes les interruptions. Aucune interruption ne peut arriver au processus pour le déranger. Les interruptions, soit matérielles, soit logicielles, soit quelles que soient. Et donc, un processus qui masque toutes les interruptions, elle ne sera pas dérangée jusqu'à ce qu'il se termine. Vous voyez que c'est lorsqu'un processus est dans la section critique, donc toutes les interruptions ne peuvent pas atteindre le processus et donc le processus ne va pas être dérangé lorsqu'il est dans la section critique. Mais nous avons dit que ça, elle a un danger si on l'autorise au processus utilisateur. Donc c'est une méthode un petit peu qu'on peut considérer comme méthode d'exclusion métier, mais elle n'est pas bien, elle n'est pas bien utilisée donc de la pratique. On va voir aussi une variable de verrouillage. Lorsqu'on parle de verrouillage, c'est comme lorsque vous voulez entrer dans, lorsque vous voulez entrer. Lorsque vous voulez entrer dans une boutique, vous voyez par exemple que parfois vous trouvez vous trouvez donc l'indicateur s'est fermé ou s'est ouvert. C'est comme ça, c'est sur ce principe que la variable de verrouillage va indiquer aux autres processus qu'il y a un processus dans la section critique ou pas. Lorsqu'un processus va entrer en section critique, elle va tester la variable. Tester, écoutez bien, elle va tester la variable verrou. Si elle le trouve, donc la variable verrou, c'est une variable globale partagée qui va indiquer au processus. Quel est? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la section critique ou pas? Si la variable verrou est à zéro, donc, lorsqu'un processus la teste et elle trouve la valeur 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun processus dans la section critique. Donc, elle va mettre la variable 0 à 1 et il va entrer à la section critique. Lorsqu'il va sortir de la section critique, lorsqu'il a terminé d'utiliser, donc d'exécuter le code des instructions de la section critique, elle va remettre la valeur 0 à 0 pour indiquer à ce, ça veut dire au processus qui va entrer dans la section critique, que la section critique, il n'y a aucun processus qui est là-dedans, qui utilise le code de la section critique. Donc, lorsque un processus est dans la section critique, un autre processus va entrer en section critique, elle teste la variable 0. Si il y a quelqu'un qui est dans la section critique, elle va trouver que 0 est égal à 1, ça veut dire qu'elle va attendre, elle va tester, tester, tester. Donc voilà, elle va consommer le temps processeur. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un test actif, le test actif ou bien l'attente et l'attente active. Donc active, pourquoi une attente active? Parce que le processus qui veut entrer en section critique, elle est interdit. Il lui dit interdit d'entrer en section critique, mais elle est dans l'état prêt. L'ordonnanceur, donc, va lui donner son quantum de temps pour s'exécuter. Mais il n'avance pas. Chaque fois que l'ordonnanceur lui donne le processeur pour s'exécuter, il ne fait que tester, 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 while, etc. Et donc, il consomme, le processus n'avance pas, le processeur ne fait que de tester en attendant que la variable 0 ait la variable 0 a la valeur 0, elle n'avance pas, mais elle est dans l'état prêt. Donc, elle consomme le temps processeur, mais elle n'avance pas. Donc, c'est une attente active qui gaspille le temps processeur. Le processeur est là pour exécuter l'instruction, pas pour boucler à l'entrée d'une condition qui est en attendant que la variable 0 soit
va prendre que la variable 0 va prendre la valeur 0. Et donc, il y a aussi un problème. On va voir donc, que puisque la variable, le test, puisque le test et la condition ne sont pas atomiques, ne font pas un seul bloc, l'ordonnanceur peut intervenir et donc on va voir qu'il y aura un problème. Donc, ce n'est pas une méthode d'exclusion mutuelle sûre. On va le voir lorsqu'on va aller dans le code. La troisième méthode d'exclusion mutuelle, c'est l'alternance. Voilà, donc pour comprendre, on va considérer que nous avons seulement deux processus, un processus A et un processus B, et donc elles vont entrer à tour de rôle A, puis B, puis A, etc. Le problème, c'est que la condition donc, de l'exclusion mutuelle, elle ne fait pas que le processus soit en même temps dans la section critique, mais aussi elle ne fait pas qu'un processus qui n'est pas dans la section critique bloque un autre processus à entrer en section critique. On va voir les conditions à la fin de cette partie. Lorsqu'un processus est rapide, il est contraint d'attendre celui qui est lent. Voilà, parce que l'autre doit entrer et sortir, donc celui qui est rapide, il doit toujours, puisqu'il y a l'alternance à tour de rôle, celui qui est rapide, il est contraint d'attendre celui qui est un petit peu lent. Et il se peut que l'algorithme, donc qu'un algorithme qui n'a pas, qui est dans sa section non critique, bloque un autre processus à entrer en section critique. Il n'est pas dans la section critique, mais elle bloque masque, ça c'est pas bien. Donc pour résoudre ce problème, on va le voir par l'alternance de Peterson. Donc c'est une amélioration de l'algorithme de Peterson, dans laquelle si un processus n'a pas intérêt, donc il va afficher est-ce qu'il a intérêt ou pas. Donc s'il n'a pas intérêt, donc ça veut dire qu'il n'est pas dans la section critique, donc il ne va pas bloquer un autre processus à entrer. Donc, tous ces algorithmes, donc on va les voir, ils se font par le soft, par le logiciel, mais on va voir à la cinquième, donc le TSL, ou bien Test and Set Lock. Elle va tester et elle va bloquer. Donc, c'est une façon hard, matérielle, dans laquelle on va essayer de lire le contenu d'une variable de la mémoire, la mettre dans un registre de processeur et donc il a testé c'est matériel. Donc le setlock, ça veut dire que elle bloque le bus d'accès à la mémoire. Donc si le bloc d'accès il est bloqué, donc aucun processus ne peut donc manipuler cette zone. Donc les quatre ainsi que le c'est soft, mais on va voir pourquoi donc la différence entre les 5 et le 6. Donc le TSL, c'est une méthode hard, donc matérielle, qui bloque l'accès à la mémoire, donc l'accès à la, qui dit et bloque l'accès à la mémoire, donc le bus d'adresse, on ne peut pas accéder donc aux données, donc le processus va être dans la section critique jusqu'à ce qu'elle sorte. Lorsqu'elle sort, elle va un petit peu lever l'accès à la mémoire, etc. Donc, on a dit aussi que ces méthodes, elles utilisent l'attente active. Vous devez comprendre ça. Pourquoi active? Parce que les processus, donc, ils sont dans l'état prêt, elles consomment le temps processeur en attendant que l'apparition d'une variable, ça c'est un petit peu la définition de l'attente active. Par contre, les primitives sleep and wake up utilisent les primitives donc de blocage. Un processus qui ne peut pas entrer dans la section critique, elle se bloque en attendant qu'un autre processus va le réveiller. Wake up, en anglais c'est faire réveiller. Sleep, c'est dormir, son dormir. Donc voilà, l'anglais, donc voilà, ce sont des primitives, ce sont des appels système qui vont, lorsqu'un processus n'a pas, il n'y a pas de raison d'avancer, elle se bloque. Donc on évoque l'appel système. Donc sleep, c'est un appel système. Si un processus évoque sleep, il va s'endormir, il va être dans l'état bloqué. Donc voilà, il n'a plus donc la possibilité
de se débloquer. Donc, il faut que quelqu'un va le faire passer de l'étape locale à l'étape après. Donc, c'est la primitive wake-up. Wake-up, donc, c'est un autre processus va évoquer le wake-up, c'est un autre appel. Donc, on va essayer de faire passer l'identificateur du processus qui s'est endormi, qui s'est bloqué. Donc, on va, donc, wake-up, donc, sleep. Il n'admet pas de paramètres, wake-up, il admet l'identificateur d'un processus qu'on va essayer de faire réveiller. Donc, la primitive, il ne consomme pas le temps processus parce qu'un processus qui ne peut pas entrer en section critique, au lieu d'attendre, elle va se bloquer. Et donc, si elle est dans l'état bloqué, on sait que l'ordonnanceur ne donne pas le quantum qu'au processus prêt. S'il est dans l'état bloqué, donc elle va être, donc parce qu'on gère les processus prêts par une file d'attente circulaire, donc le processus il ne va pas être dans cette file d'attente circulaire, donc il ne va pas recevoir le processeur, donc il ne consomme pas le temps processeur qui est un temps précieux. Donc, commençons par le commencement. Donc, l'interruption, donc voilà, seulement je l'avais mis ici et j'avais parlé oralement. Donc, on va commencer par la variable de verrouillage. Commençons par la variable de verrouillage. Donc, variable de verrouillage. Verrou, c'est une variable unique partagée. Donc, on va essayer donc tous les processus vont accéder à cette variable partagée. C'est une variable globale partagée. Donc, verrou initialisé à 0. Il va prendre la valeur 0, c'est la convention. S'il est à 0, ça veut dire que aucun processus n'est pas dans la section critique. Lorsqu'un processus entre en section critique, le verrou prend la valeur 1. Donc, un processus qui va entrer en section critique, donc il teste. Si le verrou est égal à 0, donc normalement, on sait, au lieu de mettre égal, on va mettre double égal. Mais seulement, c'est un pseudocode. Donc, si verrou est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a alors, donc voilà, ça c'est la condition. Voilà, alors au den, donc mettre 0 à 1. Avant d'entrer aux sections critiques, elle va positionner, elle va affecter à 0 la valeur 1. Et elle entre en section critique. Elle entre. Lorsqu'elle sort, donc voilà, elle sort de la section critique, elle va remettre 0 est égal à 0 pour dire aux autres processus qu'il a terminé d'exécuter le code de la section critique et donc un autre processus peut entrer dans cette section critique. Donc, les problèmes. Donc, le problème, donc on a dit que c'est une méthode un petit peu, mais il n'est pas sûr. On va expliquer donc le problème par un cas particulier. Supposons que nous avons du processus A et B. Supposons que le processus A a lu le verrou. Il a lu le verrou. Donc voilà, donc le verrou, il est. Donc je cherche là. Je cherche le. Où est-il? Donc c'est ça. Donc le stylo. Donc on a un processus A et un autre processus B. Deux processus. Le processus A va entrer en section critique et B va entrer en section critique. Il y a concurrence d'accéder à la ressource. Donc voilà, le processus, le premier à avoir la ressource processeur, donc c'est A. Donc elle a la main. Par exemple, en temps partagé, donc chaque processus, il a le quantum. Le quantum, ça c'est le temps. Et donc, voilà, ça c'est le quantum. Ça c'est le quantum. Ça c'est le quantum. Donc, on aura ici A, et puis B, et après A, et après B, etc., etc. Donc, à tour de rôle. Donc, quantum, quantum, quantum. Donc, supposons que le processus sont. Donc, maintenant, supposons que le processus A, il a la main. Et donc, voilà, il a seulement exécuté si 0 est égal à 0.
À lui, le bureau, il trouve 0. Donc, il teste, le bureau, il le trouve à 0. Donc, le bureau est égal à 0. Alors, donc, avant d'exécuter, donc la première instruction à exécuter, il y a mettre 0 est égal à 0. Avant d'exécuter ça, son quantum est terminé et l'ordonnanceur doit intervenir. Là. Le quantum est terminé, on va faire la commutation. La commutation entre A et B. On sauve A dans son processus contrôle bloc. PCA, PCB, PCB de processus A. Et on charge celui de B. On charge pour commencer B. Donc B, lui aussi, on a dit que B, lui aussi, il veut entrer en section critique. Et le test. Supposons que si le verrou, on a dit que c'est initialisé à 0. Donc, il trouve que le verrou est égal à 0. Alors, il va mettre verrou est égal à 1. Il va, il exécute cette instruction et il est dans la section critique. Maintenant, il exécute le code de la section critique. C'est une procédure, etc. Donc, il est au sein de, on a dit que c'est du code. Supposons que c'est une fonction et il exécute. Donc, je mets les parenthèses pour dire que c'est une procédure, c'est une fonction, etc. Donc, B, il est dans la section critique. Il s'exécute, son quantum se termine. Il est toujours dans la section critique. Elle l'exécute, il n'a pas encore terminé, mais son quantum, elle est terminée. Donc l'ordonnanceur doit suspendre B et relancer A. Donc B, donc elle va être sauvegardée dans le process contrôle B du processus B. On va charger celui de A à partir de son process contrôle bloc pour le relancer. On a dit que parmi les variables, donc c'est un petit peu, il y a le compteur ordinal. Compteur ordinal qui pointe sur la prochaine instruction à exécuter. Nous avons dit que la prochaine instruction à exécuter par A, c'est là. Elle va mettre le verrou. Quelle est la valeur de verrou? Quelle est la valeur de zéro, du verrou? 1. Vous voyez qu'elle va mettre la valeur de verrou A, elle est positionnée par B. Il va mettre lui aussi la prochaine instruction à exécuter, c'est verrou. Donc il va mettre verrou est égal à 1. Verrou est déjà égal à 1. Donc, ça ne change rien. Et il va entrer en section critique. Parce qu'il a cru que. Parce qu'il a dans sa mémoire, donc, la prochaine instruction à exécuter, c'est celle-là. Donc, elle va mettre verrou est égal à 1. Qui change rien parce que le verrou est égal à 1, déjà est égal à 1, parce que B est dans la section critique. Donc, il va lui aussi entrer en section critique. Et donc, l'exclusion mutuelle n'a pas changé parce qu'on veut que lorsqu'un processus est dans la section critique, lorsqu'un processus exécute le code de la section critique, on ne veut pas qu'un autre processus entre lui aussi pour exécuter ce code parce qu'il y a le conflit d'accès. Donc, on a vu qu'on veut exclure, on veut que deux processus ne soient pas de la section critique et on a tombé là-dedans. C'est comme si donc on essaye de vider quelque chose, on tombe dedans. Pourquoi? Parce que la condition qui était ici et l'instruction qu'il faut exécuter, si le verrou est égal à 0, mettre, ils ne sont pas un seul bloc, elles sont divisibles. L'ordonnanceur peut intervenir entre les deux. C'est ça le problème. Donc, il n'est pas atomique, il n'est pas divisible. Donc, je veux lire ceci pour un petit peu essayer de voir s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter. Donc, supposons que le processus A a lu le verrou et trouve 0. Avant de le mettre à 1, le processus A est interrompu. On a dit qu'il intervient, l'ordonnanceur, pour suspendre A et lancer B. A, il va passer à l'état prêt et B, il va passer à l'état élu. Le processus B, qui a la main, trouve verrou est égal à 0. Parce que,
Véro, il a la valeur, sa valeur initiale parce qu'il n'a pas été, il n'a pas été changé par A parce que il est interrompu ici. Donc, zéro, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas aucun processus dans la section critique. Et donc, il va mettre la valeur 1. Il entre dans la section critique. Il exécute le code de la section critique. Puis B est interrompu. B est toujours dans la section critique. Il est interrompu parce que son quantum, il est décollé. Et donc, on va mettre B dans l'état prêt et relancer A. Ça veut dire mettre A dans l'état élu. Le processus A prend la main. Ça veut dire qu'on lui donne le processeur. A trouve V0 est égal à 0 parce qu'il a dans sa mémoire que le 0 est égal à 0. Donc, il a chargé toutes les variables donc à partir du processus B de A, donc toutes les variables, les fonctions, les registres de processeur, les fichiers, donc tout, et il l'a maintenant. Il trouve donc dans V0 c'est 0. A trouve V0 à 0 et le met à 1 alors qu'il est déjà à 1, ça ne change rien. A entre en section critique. B est encore dans la section critique et A entre en section critique. Donc, nous avons le processus en section critique. Ce qu'on essaie de l'éviter, on est tombé dedans. Donc, l'exclusion mutuelle avec un drapeau, le verrou pour chaque processus. Donc, faire toujours partie neutre dans laquelle il n'y a pas de section critique. Occupe 1 est égal à 0 tant que occupe 1 il concerne A et occupe B il concerne B tant que occupe 2 donc si occupe 2 donc il est vrai attendre avant d'entrer en section critique. Et bien sûr, un processus qui va entrer en section critique, il met son 0 occupe 1 à true. Et bien sûr, si le 0 de l'autre est vrai, est égal, tant que occupe 2, ça veut dire tant que occupe 2 est égal à true, attendre. Donc, ça c'est while. Attendre, donc tant que la condition est vraie, attendre. Donc, attendre, c'est une attente active que consomme le temps processeur. Donc après, elle entre dans la section critique et lorsqu'elle sort de la section critique, elle va mettre que son bureau est égal à 0. Donc si celui-là il est bloqué, donc il ne le sera plus, donc il peut entrer en section critique. Les deux processus à ce bloc mutuel en 3 et 3 primes. Donc supposons que on a le processus A et la partie neutre, donc dans la partie où il n'y a pas de section critique. Donc après, supposons que celui-là il a intérêt à entrer en section et elle met son verrou A est égal à true. Donc elle est égal à true. Donc elle est égal à vrai. Supposons que l'ordonnanceur intervient entre l'instruction de droit et il est suspendu, on donne la main à B. Donc B, maintenant, lui aussi, à un certain moment, il va arriver à 2', il va mettre occupe 2 est égal à vrai. Est égal à true, est égal à vrai. Donc, tant que occupe A est égal à attendre. Donc, on a dit qu'il est arrivé ici. Donc, celui-là, il est vrai, il va attendre. Il va attendre, il va attendre, il va attendre. À un certain moment, son quantum est écoulé. On va redonner la main à A. Il va continuer là où il s'est arrêté. Il va continuer à 3. Tant que occupe 2, on a dit qu'occupe 2, il veut lui aussi entrer en section critique. Donc, tant que occupe 2, il est vrai. Oui, c'est vrai. Il va attendre. On a ça. Il est bloqué. Ce n'est pas, il est dans l'état bloqué. Il est interdit d'entrer en section critique. Et ça aussi. Donc, les deux processus se bloquent mutuellement en trois, donc les deux blocs. Donc aucun des processus n'entre pas en section critique et chacun fait donc elle bloque l'autre à interdire en section critique. Lorsque je dis bloc, ce n'est pas il est dans l'état bloqué, il est dans l'état prêt, mais il boucle sur while et rien ne change pas. Donc voilà que vous voyez que donc avec même avec double verrou, il se peut que aucun des processus dans celui-là on
on a des processus qui sont dans le DAPRA critique. Et si on a deux processus qui veulent entrer en section critique, donc chacun, elles vont entrer en section critique, mais aucun d'eux enfin n'entre pas parce qu'elles se bloquent mutuellement en trois et trois primos. C'est ce qu'on appelle le deadlock. Donc, on va maintenant voir une autre méthode, c'est l'alternance à tour de rôle. Tour, c'est une variable, donc si le tour est égal à 0, ça veut dire que si le premier, si pour A, si par exemple le tour est égal à 1, si pour B. Donc, on va utiliser une variable tour, c'est une variable globale partagée, qui mémorise le tour du processus. À qui le tour? Si le tour est égal à 0, c'est pour A, si le tour est égal à 1, c'est pour B. Qui peut entrer en section, donc le tour de processus qui peut entrer en section critique, soit deux processus A et B. La variable tour est initialisée égale à 0. Ça veut dire qu'en début, on donne celui qui va commencer à entrer en section critique, c'est A. Et après, c'est B. Et après, c'est A à tour de rôle. Processus. While tour n'est pas. Est différent, donc c'est while tour est différent, donc ce symbole c'est un petit peu différent, donc c'est ça, c'est différent, mode égal, donc ça c'est le différent. Si le tour est différent de 0, attente, si le tour n'est pas égal à 0, ça veut dire ça c'est while, et donc l'instruction c'est attente, attendre, donc si ce n'est pas son tour, il faut attendre. Elle peut être dans l'état prêt, mais elle boucle seulement sur cette instruction. Elle passe son temps dans cette instruction while, toujours. Elle teste, est-ce que le tour est différent de 0 est égal à 1. Elle va, tant que le tour n'est pas égal à 0, elle va attendre. Donc ça, c'est la condition et ça, c'est l'action. L'action qui va consommer le temps, c'est attendre, 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 attendre. Donc, attendre, il ne peut pas entrer en section critique. Donc, la section critique, c'est après cette boucle while had la condition. Pour le processus B, lui, c'est la même chose. Tant que le tour est différent de 1, tant que ce n'est pas son tour, elle doit attendre. Donc, l'attente, si c'est l'action, c'est une boucle en attendant que l'apparition d'une condition, d'une valeur pour la variable globale tour. Donc, celui-là, elle attend que le tour est égal à 0. Quand le tour va être égal à 0, c'est lorsque le A qui va entrer en section critique, il va mettre le tour est égal à 1. Lorsque A sort de la section critique, elle va positionner le tour est égal à 1 pour indiquer à B que maintenant tu peux entrer. Et quand tour est égal à 0, lorsque B sort de sa section critique, elle va dire à A, donc c'est ton tour d'entrer en section critique. D'accord? Donc chacun. Et donc après, lorsqu'elle sort de la section critique, elle a dit à B qui est sur ton tour et il peut être dans sa section non critique, dans la section dans laquelle il n'y a pas un conflit d'accès. Même chose ici, lorsqu'elle sort de la section critique, elle peut entrer dans sa section non critique dans laquelle il n'y a aucun problème. Maintenant, on va voir le problème qui peut arriver par donc un processus long va contraindre le processus rapide à se synchroniser un petit peu à sa vitesse. Et ça, c'est pas bien. Un processus qui a besoin, par exemple, qui est interactif, il a besoin d'un quantum très petit, il a besoin de, donc, d'entrer, de, alors que celui qui est là, elle va le faire subir la souffrance. Supposons que le processus A quitte sa section critique. Donc, il quitte sa section critique, ça veut dire qu'il va mettre, donc, il quitte la section critique, elle a exécuté la section critique, c'est là, et elle a mis tour à 1. Ça veut dire que le tour maintenant, c'est AB, et elle exécute le code de la section critique. Il est ici. Le processus B entre et quitte sa section critique. Donc, B, elle a exécuté le code de la section critique. Donc, je vais utiliser une autre variable et une autre couleur. Donc, elle a entré dans sa section critique et elle a sorti. Donc, le tour est maintenant, le tour c'est pour A.
et il est dans sa section non critique. Le processus A peut alors entrer en section critique, puisque le tour est égal à 0, donc A peut entrer en section critique. Le processus A peut alors entrer en section critique et l'I entre, donc le A, elle concerne la section critique. Et l'I entre, puis il sort. Il a entré à la section critique. Donc, lorsqu'elle sort de la section critique, elle met tour est égal à 1. Ça veut dire maintenant, c'est le tour de B. Rappelez bien qu'il s'agit de tour B. Il est dans sa section critique. A est dans sa section critique. Le processus A est alors dans sa section critique. Oui. Le processus B est encore dans sa section critique. Il exécute, donc supposons que sa section critique, elle va lui prendre beaucoup de temps parce que voilà, il est lent. Le processus B est encore dans sa section non critique et là, elle reste pendant un moment. Elle reste là-dedans parce qu'il lui prend beaucoup de temps. Si le processus A veut entrer en section critique, on a dit que on doit retenir que c'est le tour de B. Lorsque A entre et C et sort, c'est le tour de B. B est toujours dans sa section critique. Elle est là. A, si A veut entrer, elle ne peut pas parce que ce n'est pas son tour. C'est le tour de B. Un processus qui est dans sa section non critique, il n'est pas dans la section critique. Il bloque un processus à entrer dans sa section critique. Ça, ce n'est pas normal. Tu veux pas entrer. Tu es dans sa section non critique et tu bloques A à entrer dans la section critique parce que c'est le tour de B. Il ne peut pas car c'est le tour de B. Donc, le processus B n'est pas dans sa section critique, mais elle bloque A entre. Donc, ça, c'est un problème. On a dit que il faut interdire à un autre processus à entrer en section critique, à exécuter une variable partagée, à utiliser une ressource partagée pendant qu'un autre processus l'utilise. Maintenant, c'est un processus qui n'est pas dans la section critique et qui est interdit à un autre processus d'y entrer. Ça, c'est une pas normale. Donc, voilà, la variable alternance, il a ce problème. C'est pour cela que Peterson a essayé donc de le résoudre. On va voir l'algorithme de Peterson. Donc, l'algorithme de Peterson, donc, comme on voit ici, donc, il y aura une section non critique, entrée région, donc c'est une procédure. Donc voilà, je vais mettre les parenthèses pour savoir qu'il s'agit du code, c'est comme une fonction. Section critique, donc c'est aussi un code, c'est peut-être une fonction. Quitter région, c'est une autre fonction, je vais mettre les parenthèses. Et après, une section non critique. Donc voilà, supposons qu'elle déroule le corps, donc section non critique, entrée région. Chaque processus qui va entrer en section critique, elle doit évoquer la fonction entrée région. Entrée région. Et lorsqu'elle sort de la section critique, elle va faire appel à la fonction aussi, quitter région. D'accord. On va voir donc le code du site des fonctions. Donc voilà le code de entrée région et le code de quitter région. Donc ici un pseudocode. On a un define. Donc false c'est la valeur 0, true c'est la valeur 1 et n un define. Donc c'est un préprocessing. Donc un préprocesseur. Donc ça veut dire qu'on va fixer la valeur de n à une constante 2. Puisqu'on aura, par exemple, le processus A et B, on va essayer de comprendre l'alternance de Peterson avec deux processus. Donc, c'est comme si l'identificateur de celui-là, c'est 0, et l'identificateur de celui-là, c'est 1. D'accord? Donc, le N, c'est 2. Donc, on aura la valeur 0 et 1. Donc, 0 et 1, ça veut dire 2, le processus.
int tour. Donc le tour, donc on a des, c'est comme la variable d'alternance tour. Donc à tour de rôle, lorsque tour est égal à 1, donc c'est le tour de A. Lorsque tour est égal à 0, c'est le tour de A. Lorsque tour est égal à 1, c'est le tour de B. À tour de rôle, donc on a dit c'est l'alternance comme ici. Ce qu'on va ajouter, monsieur, ce qu'on va essayer d'ajouter ici, c'est une autre variable, un tableau intéressé. Intéressé, donc on aura intéressé. Donc on aura intéressé de 0. Donc, ça veut dire l'intéressé de A. On a aussi intéressé. Donc, c'est un tableau intéressé de 1. Intéressé de 1. Intéressé de 1. Ça veut dire qu'il est là. Celui-là, ça peut être une valeur un petit peu int, puisqu'on a, ou bien false, etc. Donc, si l'intéressé de 0 est égal à 1, ça veut dire que intéressé, c'est une variable entière, donc ou bien force le trou, qui peut prendre soit la valeur 0, soit la valeur 1. Si la valeur est égale à 0, ça veut dire qu'il n'a pas intérêt à entrer en section critique. Si la valeur est égale à 1, ça veut dire qu'il a intérêt à entrer en section critique. Donc, même chose pour l'intéressé de 1. L'intéressé, c'est l'intéressé de 1. Ça veut dire là, B, s'il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a pas intérêt à entrer en section critique. Si l'intéressé de 1 est égal à 1, ça veut dire qu'il veut entrer en section critique. Parce que le problème de l'alternance, c'est que un processus qui est dans sa section critique, B, qui est dans sa section critique, elle bloque à entrer. Donc, il n'a pas intérêt. Donc, ça va l'intéresser de B, dans ce cas, c'est 0. Et par contre, l'intéressé de 0 est égal à 1. Donc, voilà donc le tableau initialisé à false. Ça veut dire qu'au début, intéressé de 0 est égal à 0 et intéressé de 1 est égal à 0. D'accord? On initialise. Donc, c'est un tableau de valeurs 0 et 1, intéressé à false. Avec la valeur de false, on a dit que c'est false, c'est 0. D'accord? Maintenant, on va supposer que nous avons deux processus A et B. Donc, A veut entrer et B veut entrer. Donc, chacun, donc, ils vont entrer en section critique, ils vont évoquer entrée région, donc entrée région de processus. Donc pour A, entrée région, entrée région avec la valeur, l'identificateur c'est 0. Et lorsque B va entrer en section critique, elle va évoquer entrée région avec la valeur 1. Le processus est égal à 1. Entrée région avec la valeur est égal à 1. L'identificateur ici, c'est le processus, c'est celui-là. Donc ici est égal à 0 et celui-là est égal à 1. D'accord? Donc les variables tour et intéressé, ce sont des variables globaux. A et B, ils valent à qui le tour et la valeur de l'autre. Alors par contre, que autre, c'est une variable locale. Oui. What is this? Y a-t-il un problème? Est-ce qu'il y a un problème? D'accord. Donc, autre, c'est une variable locale pour chacun des processus. Donc, c'est une variable locale à la fonction. Donc, chaque fois qu'un processus évoque entre régions, il va trouver l'autre, il va positionner l'autre. Donc, int autre, donc numéro de l'autre processus, c'est un ou un process. Lorsque le process est égal à 0, l'autre, c'est A moins 0, ça veut dire c'est 1, ça veut dire que l'autre, c'est B. Lorsque c'est B qui évoque entrée région, le process c'est 1, l'autre c'est 1 moins 1, c'est 0, donc si, ça veut dire que c'est A qui est l'autre. D'accord? Donc si c'est A qui évoque entrée région, l'autre c'est B, si c'est B, l'autre c'est A. Donc, intéressé de
Lorsque c'est A, intéressé de 0, donc intéressé de 0, maintenant elle est initialisée à 0, maintenant elle prend la valeur 1. On lui affecte la valeur 1. True. Donc intéressé de 0 est égal à 1. D'accord? Et donc intéressé toujours est égal à process. Le tour, la variable globale est égale à 0. Tour, on lui affecte la valeur 0. D'accord? Pour dire que c'est son tour. While. While tour est égal à process. Lorsque le tour, on a dit que le tour est égal à 0, le process est égal à 0, ça c'est vrai. And intéressé de l'autre est égal à true. L'intéressé de l'autre, on a dit que initialement, l'intéressé de l'autre, initialement, est égal à 0. L'intéressé de l'autre, il est égal à combien? Faux. Puisque, il est égal à 0. Il est égal à false. Donc, est-ce que vrai and faux? On a vrai and vrai, Katatina, vrai, vrai and faux. Katatina, faux. Faux and vrai. Faux and vrai, Katatina, faux. Et faux and faux, Katatina, faux. Donc on a ici vrai and faux, Katatina, faux. Donc cette condition n'est pas vraie. Et donc la condition, donc ça c'est le test. L'action, c'est attendre, elle ne va pas attendre. Elle va entrer dans la section critique. Ah, elle est dans la section critique. À un certain moment, le quantum est expiré. On va donner la main. Donc, supposons que A, il est toujours dans la section critique. D'accord? A, il est toujours dans la section critique. On donne maintenant la main à B. Je donne la main à B, je vais essayer de mettre un petit peu de. On donne la main à B. Il va essayer lui aussi d'exécuter. Maintenant, supposons que B aussi, il va entrer en section critique. B va entrer en section critique, donc il va essayer d'exécuter entrée région. Entrée. Région, avec la région, avec la valeur de 1. C'est une procédure, on lui donne l'identificateur de processus en paramètres. Donc, avec le processus est égal à 1. Donc, int, donc l'autre pour lui, l'autre est égal à 1 moins 1 est égal à 0. L'autre c'est A. Intéressé de 1 est égal maintenant à 1. Intéressé de 1 est égal à 1. On a dit que. Et on tour est égal à 1. Tour est égal à 1. Tour est égal à 1. While tour est égal à process. On a dit que tour est égal à 1, le process est égal à 1, ça c'est vrai. And intéressé de l'autre, est-ce qu'il est égal à true? Quelle est la valeur de intéressé de 0? J'attends vos réponses, chers étudiants. Quelle est la valeur de intéressé de 0? C'est un.
Intéressé de 0, c'est 1, puisqu'elle a été positionnée par A. Et donc, vrai and vrai. C'est vrai. Vrai and vrai, c'est vrai. Donc, cette condition, elle est vraie. Elle va attendre. Elle ne peut pas entrer. Elle va rester elle ne va pas entrer en section critique, puisqu'elle est toujours dans entrée région. Elle boucle là-dedans. D'accord? Elle boucle, etc. Lorsque, supposons maintenant que le quantum est redonné à A, il va revenir là où il s'est arrêté, il va s'exécuter, par exemple, il sort maintenant de la section critique, il va exécuter quitter région. D'accord? Lorsqu'il exécute le code de quitter région, il va mettre dans intéressé de 0. Faux, d'accord? C'est égal à false. Et elle entre dans sa section non critique. Supposons que A est dans sa section critique, non critique. Lorsque le quantum est écoulé, on donne la main à B, il va retourner là où il s'est arrêté. Donc la prochaine instruction, on a dit qu'elle boucle. Elle boucle ici. Vous êtes d'accord? Vrai. And vrai, voilà, maintenant, il boucle. While tour pour B, le tour toujours, c'est 1, le processus, ça c'est vrai. Maintenant, intéressé de l'autre, il a été positionné par quelle région, est égal à false. Donc, vrai, and faux, c'est faux. Vrai, and faux, c'est faux. Donc, cette condition n'est plus valable, donc il ne va pas attendre, il va entrer en section critique. Elle peut entrer en section critique. Supposons qu'elle sort de sa section critique, il veut rentrer. Ce n'est pas son tour. D'accord? Pour l'alternance, on a dit qu'il faut que B attend jusqu'à ce que A entre et sort. Supposons que A est toujours dans sa section critique et B veut retourner. Elle va exécuter un le code. L'autre, c'est 0. L'autre, c'est 1 moins 1, c'est 0. L'intéressé, donc l'intéressé du process 1 est égal à true. Le tour est égal à 1. While tour, donc ça, c'est vrai. And l'intéressé de l'autre, il est toujours 0. Donc, cette condition, elle est fausse, elle va entrer. Donc, vous voyez qu'on a résolu le problème que un processus qui est dans sa section critique, il ne bloque plus un processus qui va entrer. Donc, c'est un petit peu l'algorithme de Peterson. Et après son nom, Peterson, c'est la personne qui est un petit peu concernée à l'algorithme pour répondre, pour remédier au problème de l'alternance, un processus qui n'est pas dans la section critique et elle bloque un processus entrant en section critique. Car les deux processus sont intéressés et appellent entre régions presque simultanément. Donc on va essayer de voir. Ça, c'est le processus A, donc son identificateur, c'est 0. Ça, c'est le processus B, il est dans sa section. Ça, c'est le processus B. Donc, ça, c'est A et ça, c'est B. L'identificateur de A, c'est 0. L'identificateur de B, c'est 0. Donc, on a dit que K au lieu du processus sont intéressés et appellent entrée région presque simultanément. Donc, on va voir. Donc, lorsque pour le code d'entrée région pour A, l'autre est égal à moins process, donc l'autre c'est B. Intéressé de process est égal à true. Donc, il prend la valeur de 1. Vrai. Donc, ça c'est vrai. Donc, même si les deux processus. Donc, simultanément, mais il faut les sérialiser, on ne peut pas les exécuter en même temps. Donc, un après l'autre, on peut commencer par A ou bien on peut commencer par B. Donc, supposons que intéressé de process est égal à true, donc le tour est égal à 0. Donc, le tour est égal à 0. Est égal à 0. Supposons maintenant que le processus, donc le processus, donc B, lui aussi, il va entrer. Donc, l'autre, c'est A. Il met l'intéressé de process
si tu roues, donc le est égal, lui aussi est égal à 1, l'intéressé de B est égal à 1, et tour est égal à 1. Donc, supposons que il arrive à cette instruction 4', while le tour est égal à 1, c'est vrai, l'intéressé de l'autre est égal à vrai. Oui, on a l'intéressé de l'autre est égal à 1. Elle va attendre. Elle attend à un certain moment, le quantum est écoulé, on redonne la main à A. While tour, donc pour lui, le tour, c'est une variable. Il a mémorisé dans son protocole bloc tour, ça c'est vrai. Et l'intéressé de l'autre est égal à true. Autre intéressé, tour est égal à 0. True prime ami, tour est égal à 1. Ah d'accord, donc on a dit que le tour c'est une variable partagée globale. Donc, lorsqu'on redonne la main à A, le tour, elle a été changée par, ce n'est pas une variable, elle a été changée par B, donc le tour est égal à 1. Tri' à mi, tour est égal à 1. Donc ici, tour, ça c'est faux. Faux and vrai, c'est faux, et donc celui-là, cette condition, elle est fausse, on ne va pas attendre, il va entrer en section critique. Donc le processus A peut entrer et donc B va attendre. Donc T' à mi tour est égal, donc ici tour, alors on entre en section. Donc ici tour est égal à 1, donc celui-là il va attendre, alors que celui-là qui a exprimé en premier donc l'intérêt à entrer, il entre. Et lorsqu'un processus, donc pour la fonction qui était région, ça veut dire qu'il va positionner la valeur de intéressé. L'intéressé de maintenant du processus est égal à 0. Donc lorsqu'elle sort pour dire à l'autre qu'il n'a plus intéressé à entrer en section critique. Lorsque processus 0 termine, il faut qu'il était région. Et par conséquent, intéressé de 0 passe à 1. Donc celui qui bloque ici, maintenant il va être false et B peut entrer. Alors, processus A peut alors entrer en section critique. Donc, c'est un petit peu l'alternance de Peterson. Donc, on a dit que toutes ces instructions, c'est par logiciel, par du code. Maintenant, celle-là, elle va utiliser donc, le blocage. Donc, elle bloque l'accès au bus d'adresse et le bloc de données. Donc, aucun processus ne peut maintenant le faire interrompre jusqu'à ce qu'elle sorte de la section critique. Elle entre en section critique, elle évoque l'instruction TSL, et lorsqu'elle sort, elle évoque quitter région dans laquelle on va voir tout ce qui va se passer. Donc, l'instruction TSL, elle charge à partir de la RAM, elle charge le contenu mémoire d'une zone mémoire, le contenu d'un mot mémoire dans un registre. Elle va donc par exemple, si c'est une adresse, elle va charger le contenu de cette case mémoire dans un registre et elle bloque maintenant l'accès à la mémoire. Et met une valeur non nulle à l'adresse de mon registre. Les opérations de lecture et d'écriture du mot sont indivisibles. Donc le problème des autres algorithmes, c'est qu'elles sont ne sont pas atomiques. Maintenant, elles sont indivisibles. On peut pas interrompre donc un processus qui évoque l'instruction TSL. On ne peut pas, par exemple, il va lire le mot et donc la lecture et l'écriture, ils sont indivisibles. Le drapeau, c'est une zone mémoire de la RAM dans laquelle on va. Si le drapeau est égal à 0, ça veut dire qu'aucun processus n'est pas dans sa section critique. Si il y a la valeur 1, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un dans la section critique. Et le mot mémoire partagé, c'est la variable partagée. Tous les processus maintenant, ils peuvent accéder à la zone mémoire.
On a dit qu'on encadre la section critique par entrée région et quittée région. Donc, ça, c'est du code, et ça, c'est du code. Et ça, c'est un processus qui va entrer en section critique et il évoque entrée région. Lorsqu'il sort de la section critique, il évoque la fonction, donc la procédure quittée région. Donc, le code de la d'entrée région, TSL, une instruction TSL registre drapeau, qui est équivalent à. L'instruction TSL registre drapeau, c'est comme s'il a été écrit dans le code mnémonique. Le code mnémonique, c'est lorsqu'on écrit donc avec un langage machine, donc l'assembleur. Donc, on est près du matériel, l'assembleur. Donc, il est équivalent à lire la valeur de la RAM dans un registre et positionner et mettre dans drapeau est égal à 1. On va lire ce qu'il y a dans. Donc, par exemple, ça c'est la zone mémoire. Ça c'est la RAM. Et ça c'est la valeur drapeau. Le drapeau, il va prendre soit 0, soit 1. On va lire le contenu. Tout d'abord, TSL est équivalent à lire le contenu du drapeau et le mettre dans un registre. A de la valeur, ce qui est dans le drapeau, ça peut être un 0 ou un. Si on le teste, on le compare le registre à 0, est-ce qu'il est égal ou bien c'est différent de 0? S'il est égal à 0, ça veut dire que aucun processus n'est pas dans la section critique. Si la valeur est différent des 0, ça veut dire qu'elle prend la valeur 1, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un dans la section critique. Donc, compare le registre à 0. Branch multicol. Si ils sont multicol, ça veut dire qu'ils sont différents. 0 et le contenu du registre, ils sont différents. Ça veut dire que registre, il vaut 1 et la valeur. Et c'est 0, 1, il est différent de 0. Si elle est nautical à entrée région, ça veut dire qu'il boucle sur entrée région. Il boucle, donc il ne peut pas entrer en section critique. Il boucle jusqu'à ce que lorsqu'il trouve que dans 0, dans registre est égal à 0, donc ça veut dire que celui qui l'a positionné, il a remis dans cette valeur, il a remis 0. Donc, c'est comme return. Et bien sûr, quand. C'est lorsqu'elle a entré, elle a quitté région. Le processus qui sort de la section critique, on a dit qu'il va évoquer quitté région. Quitté région, c'est move drapeau 0. Donc ça veut dire mettre dans le drapeau la valeur 1 et mettre 1. Ça veut dire que pour indiquer aux autres que et maintenant elles peuvent entrer en section critique. Donc c'est une. Donc on va voir par exemple. Un scénario, donc comment on a fait pour les autres. Donc, on suppose que nous avons du processus qui veulent entrer en section critique. Donc, je vais essayer de faire un scénario. Comment le TSL s'exécute? Supposons que nous avons deux processus A et B. A et B. Tous les deux qui veulent accéder à la section critique. Donc, on a dit que la section critique, le code de la section critique, entrée région, elle est un petit peu encadrée par les deux procédures entrée région et quittée région. De T. Donc, c'est du code. Donc, c'est une procédure. Donc, supposons que A, il veut entrer en section critique. Donc, voilà, il veut entrer à exécuter le code de la section critique. Elle évoque entrée région. Supposons qu'on vient juste de commencer. Donc, la RAM, donc le drapeau, il est initialisé. Donc, le drapeau, il est initialisé à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas
aucun processus dans la section critique. Donc, il évoque entre régions, il va mettre TSL, registre, drapeau. Donc, il va charger le contenu de cette adresse mémoire, de cette zone mémoire dans un registre de processeur. Et il va essayer de mettre maintenant, au lieu de 1, il va mettre la valeur. Au lieu de 0, il va mettre maintenant, il va mettre c'est 1. Pour, s'il y a quelqu'un qui va entrer maintenant, c'est 1. Elle, et bien sûr, donc, elle compare. Est-ce que 0, donc on a dit que, je retourne un petit peu vers le code. Donc la valeur que nous avons chargée ici, c'est 0. Bench, not equal. Est-ce que elle compare le registre et 0? Elle sont égaux, elle ne veut pas. Il ne veut pas boucler à l'adresse d'entrée région. Il va retourner, ça veut dire qu'il quitte. Et maintenant, il est dans sa section critique. Donc, A, il est ici. Elle exécute de la section critique. Il ne veut pas qu'un autre processus... Il ne veut pas qu'un autre processus entre lui au sein de la section critique tant qu'il n'a pas sorti de la section critique. Imaginez maintenant que l'ordonnanceur intervient et il donne la main un petit peu à B. B va entrer donc en section critique et il doit lui aussi évoquer entre régions. Entre régions, elle exécute TSL, registre drapeau, donc elle charge le contenu de la mémoire dans un registre. Donc, la valeur, c'est maintenant registre est égal à 1. Compare registre et 0. Elle compare que le registre il est différent de 0, not equal. Il va brancher, il va boucler, il va boucler, il va boucler jusqu'à ce que le quantum s'écoule. On donne la main à A, peut-être qu'elle va sortir de la section critique. Maintenant, elle va évoquer donc l'instruction. Lorsque A sort de la section critique, elle move le contenu de drapeau. Elle va mettre 1 au lieu de 0. Maintenant, elle va remettre la valeur 1, la valeur 0. Donc, on a écrasé 1, on a mis 0. On a dit que B elle boucle sur entrée région. Sur l'adresse de cette. Lorsque le quantum de A est écoulé, on peut maintenant donner la main à B. Donc, elle va essayer branch not equal. Donc, lorsqu'il aura la main, elle va commencer par ce que branch not equal à entrée région. Il va commencer par ici. TSL registre drapeau. On a dit que maintenant, il va charger le contenu de registre de drapeau dans un 0. Maintenant, on va mettre là-dedans, c'est 0. Et le compare à 0, on le trouve, c'est elles sont égaux. Et donc, il va sortir. Donc, sortir de cette fonction, ça veut dire qu'elle sort du code de cette fonction, elle va exécuter, ça veut dire qu'elle peut entrer maintenant en section critique. Vous voyez que lorsque A sort, donc B peut sortir. Et lorsque A est là-dedans, donc A ne peut pas entrer. Et lorsque B est dedans, A ne peut pas entrer. Donc c'est une méthode sûre, bien sûr. Donc, puisque la lecture et l'écriture sont indivisibles, le problème que nous avons vu avant, l'alternance, le bureau, parce que les instructions sont divisibles, maintenant, ils ne sont plus avec le TSL. Donc, l'algorithme de Peterson, Vero et TSL, l'alternance, et donc, ont l'inconvénient de l'attente active. Je n'ai pas la définition de l'attente active. C'est le test répété sur une variable pour détecter l'apparition d'une valeur. On l'a vu ici. C'est une boucle. On boucle en attendant que la valeur de registre est égale à 0. D'accord ? On boucle jusqu'à ce que le registre est égal à 0. On boucle en attendant que des valeurs soient vraies ou faux.
On boucle en attendant que le tour est égal à 1 et à 0. On boucle en attendant que le bureau prend la. Donc voilà, le processus n'est pas dans l'état bloqué, il est dans l'état prêt. Donc il a droit à son quantum, mais il ne fait que du test qui n'avance en rien. Il ne fait pas avancer le processus. Donc c'est ça l'attente active. C'est un test répété sur une variable pour détecter l'apparition d'une valeur, soit pour le registre, soit pour le bureau, soit pour le tour, etc. Cette attente active doit être évitée à l'âge car il consomme le temps processus. Parce que le processus, au lieu d'être dans l'état bloqué, il est dans l'état prêt. Donc, on a la file d'attente des processus prêts, donc il a droit à son quantum. Dans certains cas, il y a un risque de blocage. En effet, soit A et B de processus avec priorité de A inférieure à B, donc la priorité, A s'exécute et entre dans sa section critique. A, elle est dans sa section critique. La priorité de A, elle est inférieure à celle de B. Donc, lorsque B est dans l'état prêt, et bien sûr, l'ordonnanceur, avec priorité, va choisir B parce qu'il est le prioritaire. Imaginez que nous avons A qui est dans sa section critique. Ça veut dire que B ne peut pas entrer en section critique. L'exclusion mutuelle nous dit que deux processus ne peuvent pas être en même temps dans la section critique. A, il est dedans. Il n'a pas encore terminé. B veut entrer en section critique. Il ne peut pas parce que l'exclusion mutuelle l'empêche d'entrer en même temps en section critique. Parce que A est dedans. Elle exécute les variables partagées, donc il n'a pas encore terminé avec. Et l'ordonnanceur, lorsque B est dans l'état prêt, elle doit lui donner le processeur. Parce qu'il est prioritaire. Donc B, il est dans l'état élu. La préemption, etc. A ne peut avoir le processeur parce qu'il y a un processus plus prioritaire qui un petit peu accapare et accapare à lui seul qui est le processeur. A ne peut pas avancer. S'il ne peut pas avancer, pourquoi? Parce qu'il y a un processus plus prioritaire. Donc, il ne peut pas terminer pour sortir de la section critique. B ne peut pas entrer en section critique parce qu'il y a quelqu'un déjà de la section critique. Et A ne peut pas avancer parce qu'il n'a pas le processus, il n'a pas les moyens pour continuer. Et ça, c'est un problème, c'est un interblocage. B passe à l'état prêt et il est élu, le prioritaire. Remarque, A est toujours dans la section critique. B va entrer en section et il boucle en attente active. Il boucle à l'extérieur parce qu'un processus moins prioritaire est dedans. Il boucle. A ne peut pas continuer car B mobilise, il accapare, il mobilise le CPU et le processeur. Donc, blocage de A et B. 1. Le moins prioritaire bloque l'autre parce qu'il est dans la section critique. Le plus prioritaire ne peut pas donner le processeur à l'autre pour quitter la section critique. Utilisation du mécanisme d'attente passive. L'attente passive, si on va utiliser deux primitives, wake-up and sleep. Les primitives sleep and wake-up, donc sleep c'est s'endormir, wake-up. Wake up pour un petit peu le faire réveiller un processus qui est s'endormi. Au lieu de faire une attente active, je répète l'attente active, c'est le test répété en attendant l'apparition d'une valeur, d'une variable partagée. Elle consomme le temps processeur. Au lieu de faire l'attente active, les processus vont se bloquer. Ils vont être dans l'attente passive. Au cas où ils ne peuvent pas entrer en section critique. Au lieu de mobiliser le processeur, donc il va se bloquer en attendant que l'autre. Donc, sleep est un appel système qui suspend le processus
appelant jusqu'à ce que, normalement, elle bloque le processus, appelant jusqu'à ce qu'un autre processus vienne le réveiller. Elle va s'endormir. Réveiller et s'endormir. Sleep, c'est s'endormir. Wake up en anglais, c'est réveil. I wake up every day at 6:15 o'clock every day. Wake up. Donc, vous voyez que c'est un appel système. On va lui donner l'identificateur d'un autre processus. Le processus qui évoque l'appel système wake up va essayer d'éveiller ou bien de faire réveiller un autre processus. On va voir avec le cas de producteur et consommateur. C'est un appel système qui réveille. Donc, sleep, c'est un appel système. Wake up, ce sont deux appels système qui éveillent le processus passé en paramètres. On passe. Donc, pour sleep, on peut seulement évoquer sleep. Donc, c'est un appel système. Je vais le mettre entre parenthèses pour ça. Bon, c'est un appel système, c'est une fonction par exemple. Wake up, lui aussi. Wake up. Wake up. J'ai du mal à écrire avec la souris comme ça. Wake up, par exemple, un processus. Donc, un paramètre. Process. C'est un paramètre. Donc, ça, il n'a pas de paramètre. Celui-là, par contre, il a un paramètre. C'est essentiel de savoir quels sont les paramètres d'une fonction. Lorsqu'on va faire appel à une fonction, on doit savoir, par exemple, quels sont les paramètres. Il y a des fonctions qui n'ont pas de paramètres et des fonctions qui ont des paramètres. Donc, il faut faire attention. Le sleep n'a pas de paramètres et wake up, il a un paramètre. C'est l'identificateur d'un processus qu'on veut faire éveiller. Qui va l'éveiller? C'est le processus qui évoque le système. Donc, on va essayer un petit peu donc, de revenir donc, et de lire ceci. Soit, donc, on va essayer de comprendre la primitive wake up and sleep avec, avec le producteur et le consommateur. Soit deux processus P pour le producteur. Et c'est pour le consommateur qui partage un buffet. Donc la variable partagée, c'est un buffet. C'est une zone de la RAM. Donc il partage de la zone mémoire. Par exemple, un tableau, etc., etc. P met des informations dans le buffer. Donc voilà. Donc c'est comme si s'il s'agit d'un tableau. Donc ici, c'est une zone mémoire dans laquelle, supposons que c'est un tableau. Il y a de la taille n, de 0 jusqu'à n moins 1. N case. C'est comme un tableau. N. La taille, c'est n, donc de 0 jusqu'à n moins 1. De 0 jusqu'à n moins 1, on a n case. Si le buffer est plein, B doit dormir. Il va évoquer la primitive sleep, car il ne peut pas émettre. Donc, le P. C'est comme si elle produit les produits, elle va essayer de les poser dans les cases mémoire. C'est comme si, par exemple, dans un. Ce qu'elle produit, elle va le mettre dans un panier. Donc, on a par exemple N panier, premier panier, le 0, c'est le premier panier jusqu'au énième. D'accord? Elle produit un produit, elle le met dans le premier panier. Puis le deuxième, le deuxième, etc. Lorsqu'il a rempli tous les paniers, donc ce n'est pas la peine de produire d'autres produits. D'accord? Lorsque toutes les cases sont pleines, il va s'endormir. Pour s'endormir, il va évoquer la primitive sleep. Si le buffer est plein, P doit dormir, doit s'endormir. Normalement, s'endormir. Il va évoquer la primitive sleep. On a dit que sleep, c'est une fonction, donc c'est une primitive, c'est un appel système. Car il ne peut plus mettre d'informations dans les paniers. Les paniers, donc le buffer est plein. Et il attend jusqu'à ce que c'est le consommateur retire une ou plus. Donc le consommateur, lui, il essaye de
de retirer. Donc, s'il y a au moins une case qui est vide, le consommateur doit essayer d'y veiller le producteur pour lui dire, voilà, maintenant tu peux travailler. Donc, lui, il retire, il retire, il retire. Lorsque tu les cases ou bien tu les paniers sont vides, voilà, il y a rien à retirer. Donc, il n'a plus de travail, il va s'endormir. Donc, il va évoquer lui aussi sleep. Jusqu'à ce que lorsque le producteur produit quelque chose, il va le mettre dans, par exemple, lorsqu'il met le premier objet, il va dire au consommateur, réveille-toi, il y a quelque chose, il y a du travail pour toi. Donc, c'est de cette façon que les deux processus vont essayer de coopérer avec les primitives slap and wake up. Donc, pour le réveiller, donc, il va essayer de faire évoquer l'appel système wake up en mettant là-dedans l'identificateur, soit du producteur, si c'est le consommateur qui l'évoque, soit l'identificateur du consommateur, si c'est le producteur qui l'évoque, ou vice-versa. Donc, s'il retire une ou plusieurs informations, et dans ce cas, s'il doit réveiller P pour produire. Donc, chaque fois qu'il y a une case vide, il va réveiller. Donc, si le buffer est vide, s'il n'y a plus de travail pour C, le consommateur doit dormir, sleep, en attendant que P met. Donc, on va voir les codes en pseudo-langage de consommateur et de producteur. Donc, supposons que le buffer il a une taille de 100, de 0 jusqu'à 99. Donc, c'est le n, on a n, on prend par exemple int counter, donc le counter qui va nous indiquer combien de cases elles sont pleines ou bien qu'elles sont vides. Le compteur, donc le compteur est égal à 0, ça veut dire, puisqu'on a initialisé le compteur, c'est le nombre d'objets dans le buffer, donc voilà, ou bien le nombre de cases pleines. Initialement, le buffer est vide. Donc, aucun objet, donc, etc. Le producteur, donc, ce sont des processus. Donc, on aura le processus producteur et on aura le processus consommateur. Donc, un processus, donc, le code dialogue, donc, c'est comme c'est producteur et le code de consommateur. While true, donc, vous voyez while avec une condition de true, ça veut dire que c'est une boucle infinie. Paf! Chaque fois qu'on donne la main au producteur, donc voilà, il va essayer d'exécuter ce code. Toujours donc. Produire objet. Il va produire objet. Donc, il va produire objet. Il va essayer de produire un objet. If counter est égal à n. Supposons maintenant qu'on vient de commencer. Supposons qu'on vient de commencer et donc le producteur, il a produit un objet. Je suis ici. D'accord? Je suis dans cette instruction. If compteur est égal à n, est-ce que le compteur, on a dit que le compteur, on a ici z égal à 0. Est-ce que cette condition est vraie? Dites-moi. Est-ce que cette condition est vraie ou fausse? Oui, j'attends. Oui. Elle est vraie? Ou bien elle est fausse? Pause. Fausse. Je dis que le contour, il est à 0. Donc, je compare 0 à n. Est-ce que 0 est égal à n? Non, parce que je me mets dans n, c'est 100. Donc, cette condition n'est pas vraie. Donc, je ne veux pas évoquer cet appel système. Vous le voyez? Si la condition est fausse, est-ce que je vais exécuter cette instruction? Non. Donc, je veux continuer ici. F, den, donc le den, c'est l'instruction qui va s'exécuter, c'est celle-là. Puisque ça est fausse, j'exécute pas ça. J'allais vers cette instruction. Mettre objet. Il va mettre l'objet dans essai. Il va mettre le compteur maintenant
Au début, c'est 0. Maintenant, le compteur est égal à 1. Compteur est égal à 1. Puisque je mets un objet, donc il y a un objet ici. Donc cette case, elle... Le compteur est égal à 1. Est-ce que le compteur est égal à 1? Compteur est... Donc on a mis le compteur, c'est compteur plus 1. Donc le compteur avant, c'est 0. Maintenant, le compteur est égal à 1. Est-ce que le compteur est égal à 1? Est-ce que cette condition est vraie? Oui. Et donc, oui, parce que le compteur est égal à 0. Donc vous allez comprendre. Wake up consommateur. Voilà, le producteur va essayer de réveiller le consommateur. Il y a du travail pour toi. Réveille-toi pour travailler. D'accord? Puis, il va continuer. C'est une condition while true. C'est une condition infinie. D'accord? Il va produire un autre. Produire objet. Est-ce que le compteur est égal à N? Mazal. Donc, il ne veut pas se réveiller. Il ne veut pas s'endormir. Mettre l'objet. Il va mettre le deuxième objet ici. Le compteur est égal à 2. Est-ce que le compteur est égal à 1? Non. Il ne veut pas évoquer le wake up parce que le C, il est déjà réveillé. Il boucle, infini. Un autre objet. À un certain moment, le quantum était collé en suspens, le producteur pour donner la main au consommateur. Le consommateur, donc, while true, une condition infinie, donc toujours, ça c'est vrai. Est-ce que le compteur est égal à 0? Supposons que le compteur est égal à 4. D'accord, le producteur est 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 5. Le compteur, c'est 5. Est-ce que le compteur est égal à 0? Non. Non. Et d'ailleurs, le producteur ne s'endort pas, d'accord? Le compteur est... Ça, c'est faux, parce que si le compteur est égal à 5, donc il ne veut pas s'endormir. Retirer un objet. Il va essayer de retirer un objet. Je veux utiliser une autre couleur. Supposons qu'il a enlevé ça. Maintenant, le compteur, c'est 4. Donc, compteur, c'est 5 moins 1, c'est 4. Est-ce que le compteur est égal à N moins 1? Non, il n'est pas égal à N moins 1. N moins 1 est C. D'accord? Non, il n'est pas égal. Donc, wake up producteur, ce n'est pas donc cette condition, donc le producteur ne s'endort pas. Et le boucle, est-ce que le compteur est égal à 0? Non, mazal. Retire objet, il va retirer un autre objet. Au lieu de 4, il va être maintenant 3. Compteur, c'est 3. Est-ce que le compteur, non, donc il boucle. Une autre fois, la dernière fois, le compteur est égal à 0. Est-ce que le compteur est égal à 0? Oui, donc celui-là, wake up. Supposons que lorsqu'il évoque wake up, il se bloque, donc on va donner la main au producteur. While true, donc il va produire objet, il va produire un objet. Est-ce que le compteur est égal à N? Non, produire, non, ça c'est pas faux. Mettre l'objet, il va mettre l'objet. Un autre objet, c'est... Le compteur est égal à 1. Est-ce que le compteur est égal à 1? Oui, il est égal à 1 parce qu'il est égal à 0. Lorsqu'on a dit que à la dernière fois, donc il décrémente jusqu'à atteindre la valeur 0. Donc maintenant, le compteur, c'est le compteur plus 1, 0 plus 1. Est-ce que le compteur est égal à 1? Oui. Donc voilà, il faut réveiller le consommateur parce qu'il y a du travail pour suivre. Donc imaginez maintenant que il a le quantum jusqu'à remplir tout le tableau. Donc maintenant, if le contour est égal à n, oui, on a arrivé le contour est égal à n. Donc dans ce cas, le producteur va se bloquer. Mettre objet, donc contour est égal. Est-ce que le contour... Non, ça c'est... Donc, vous voyez qu'avec les primitives, sleep and wake up, les processus peuvent se bloquer au lieu d'attendre, etc. Mais leur problème, c'est que puisqu'il s'agit de soft,
puisqu'il s'agit de logiciel, on aura des problèmes parce que les conditions, par exemple, la condition, ça c'est une condition, et la valeur et l'action, lorsque cette condition est vraie, la condition qui va avec, elles peuvent, l'ordonnanceur peut intervenir entre les deux ou bien entre celle-là, etc. Donc, il y a plusieurs tests F et F. Si l'ordonnanceur intervient entre les deux, le test et l'action peuvent être séparés et bien sûr, il y aura des interblocages. On va voir ça avec un exemple. Quelques problèmes. Donc, while while true, donc supposons que on va raisonner sur le code de consommateur. While, donc ça c'est le code de consommateur que nous avons vu ici, wahda, donc c'est ce code que on a rapporté la diapo pour voir qu'est-ce que ça arrive. While true, donc chaque fois que le consommateur l'a main, il a une boucle infinie. If contour, ça veut dire, j'ai bien dit, chaque fois qu'il a la main, ça veut dire chaque fois qu'il est dans l'état prêt. If contour est égal à zéro, si il trouve le contour est égal à zéro, ça veut dire que le buffer est vide. Sleep. Si le contour retirer objet, donc si le buffer est vide, il n'y a pas de travail pour le consommateur, donc il va s'endormir. Il n'y a pas, donc sleep. Sinon, si cette condition n'est pas vraie, il va retirer. Si ça veut dire s'il y a quelque chose ici, il va le retirer, il va mettre le contour, c'est le contour moins 1, parce qu'on a retiré 1, celui-là ou celui-là. If contour est égal à n moins 1, ça veut dire que avant, le contour est égal à n. Puisqu'on vient de décrémenter, ça veut dire que avant est égal à n, ça veut dire que avant, s'il est égal à n, ça veut dire que l'autre, le producteur, ils sont endormis. D'accord? Donc, je vais essayer d'effacer ici pour voir clairement. Donc, j'ai dit que if contour est égal à 0, ça c'est le même code que ici. Mais maintenant, on va essayer de voir quelques problèmes. Si le contour est égal à 0, ça veut dire que le buffer il est vide, le consommateur doit s'endormir. Si ce n'est pas vrai, il va essayer de, si cette condition n'est pas vraie, il va essayer d'exécuter cette instruction, retirer objet, il va retirer un objet. Et le contour est égal à contour moins 1. On teste, est-ce que le contour est égal à n moins 1? Pourquoi? Si est égal à n moins 1, ça veut dire qu'avant de le décrémenter, il est égal à n. Qu'est-ce que ça veut dire que s'il est égal à n? Le code de consommateur, si le compteur est égal à n, ça veut dire que le producteur est endormi. Ça veut dire que si le producteur s'est endormi, il faut le réveiller. Donc, si le compteur est égal à n moins 1, il faut invoquer un wake-up avec le producteur. Il faut réveiller le producteur. C'est ça la condition. D'accord? Wake-up producteur. Maintenant, supposons qu'à un instant donné, que le buffer est vide. Le buffer est vide, ça veut dire que cette instruction, elle est vraie. Lorsque le consommateur est à la main, elle teste le contour et le truc est égal à zéro. Et avant d'évoquer l'appel système sleep, l'ordonnanceur l'intervient et le suspend à ce niveau. Et il le suspend à ce niveau et il donne la main
au producteur. Le producteur, il a la main, produire un objet, il produit un objet. Est-ce que le compteur est égal à N? Non, on a dit, on vient de le dire, le compteur il est égal à zéro parce que le buffer il est vide. Est-ce qu'il va évoquer cela? Non, il va mettre un objet. Compteur maintenant est égal à 1. Compteur est égal à compteur plus 1, le compteur est égal à 1. Et si le compteur est égal à 1, oui, cette condition, elle est vraie. Wake up consommateur. Est-ce que le consommateur est s'endormi? On a dit que le consommateur, il a seulement testé. Le compteur, il le trouve égal à zéro. Il est suspendu. Il n'est pas encore endormi. Donc, le compteur est égal à 1. Et bien sûr, le consommateur n'est pas s'endormi. On réveille quelqu'un qui n'est pas endormi. Quelqu'un qui n'est pas endormi, tu lui dis, hey, réveille-toi, il n'est pas endormi. Donc ce wake up va être perdu. Ça ne sert à rien ce wake up. Et donc, il continue. Le producteur va essayer de produire un autre objet. Est-ce que le compteur est égal à N? Non. Il va mettre un objet, donc le compteur est égal à 2. Attends, à un certain moment, par exemple, supposons que le compteur est égal à 25. Supposons que le compteur est égal à 25. Lorsqu'on va remettre la main au consommateur, elle va continuer là où il s'est arrêté. Le compteur ordinal, donc il contient donc l'appel, l'instruction de, elle va essayer d'exécuter cette instruction. Sleep, elle va s'endormir. Puisqu'elle va s'endormir, on va redonner la main au producteur, parce que lui, donc le consommateur il est bloqué. On va redonner la main au producteur, donc il va produire un objet. Est-ce que le compteur est égal à N? Non, etc. Il ne veut pas s'endormir. Mettre l'objet 26, compteur est égal à 26. Est-ce que le compteur est égal à 1? Non, il n'est pas égal à 1. Jusqu'à ce qu'il remplisse le compteur est égal à N. À un certain moment, le compteur est égal à N. Est égal à 100. Lorsque le compteur est égal à. Lorsque, donc, cette instruction est vraie, elle va s'endormir. Le consommateur, lui aussi, il s'est endormi. Il s'est endormi parce qu'il a évoqué ça et n'a pas été réveillé. Et donc, voilà, on aura deux processus qui s'endorment. Donc, je veux lire ceci. Supposons à cet instant, l'ordonnanceur décide de suspendre le consommateur et relancer le producteur. D'après le programme de producteur, celui-ci va faire un wake-up de consommateur. Ce signal wake-up sera perdu car le consommateur ne dormait pas encore. Le producteur continue à remplir le buffer et va dormir lorsque le compteur est égal à N. Le consommateur, lorsqu'il sera relancé, trouve que le compteur est égal à zéro. Valeur qui, donc lorsqu'il va être relancé, il va prendre le compteur est égal à zéro, valeur qu'il avait avant d'être suspendu. Il va donc s'endormir. On va alors se trouver avec le producteur et le consommateur qui dorment en même temps. Donc, ça veut dire qu'elles sont bloquées et aucun d'eux ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est le problème de l'attente passive parce que les instructions ne sont pas indivisibles. Je le répète ici. Donc, indivisibles. La condition ici et l'action qui va avec, ou ici, et la condition qui va avec, ou bien ici, et la condition qui va avec, et ou ici qui va avec, ne sont pas indivisibles. L'ordonnanceur peut intervenir à quel moment entre une condition et une action et doit faire des dégâts. Mais au moins, il ne consomme pas le temps processeur. Donc, on va parler maintenant d'un pseudo-exécution parallèle, exécution des processus en parallèle ou pseudo-parallèle. Pour que, donc les conditions de l'exclusion mutuelle, c'est ça.
Donc, pour que les objets qui s'exécutent en parallèle et qui utilisent les objets partagés puissent coopérer correctement sans conflit d'accès, ni blocage mutuel, ni attente indéfinie, il faut avoir les quatre conditions de l'exclusion mutuelle, c'est ça. Deux processus ne peuvent pas être en section critique en même temps. Ça, c'est la notion de l'exclusion mutuelle. Il n'est pas permis d'avoir deux processus qui manipulent une ressource partagée en même temps. Aucun processus suspendu en dehors d'une section critique ne doit bloquer les autres processus à entrer en section critique. C'est ce que nous avons avec l'alternance. L'alternance, un processus qui n'est pas de la section critique, elle bloque l'autre à section parce que l'autre, donc c'est une passe son tour. Aucun processus ne doit pas attendre trop longtemps à entrer en section critique. Donc, il y a des processus rapides, etc. Donc, il ne faut pas qu'un processus attende jusqu'à l'infini avant d'entrer en section critique. Aucune hypothèse n'est faite sur les vitesses des processus ni sur le nombre de processus. On a raisonné pour A et B, mais c'est aussi vrai lorsqu'on a plusieurs processus. D'accord? Donc, les entrées-sorties, donc, on va parler un petit peu sur comment les entrées-sorties. Donc, on a dit que chaque fois qu'un processus demande des entrées-sorties, ça veut dire qu'il va lire ou il va écrire les données sur un périphérique. Il y a différents types de périphériques, le disque, le clavier, la souris, la carte graphique, etc. La carte réseau, etc. Les entrées-sorties demandées par les utilisateurs sont effectuées via le système d'exploitation. Parce que lorsque je dis par les utilisateurs, c'est par les applications des utilisateurs. Elles sont un petit peu effectives. Le système d'exploitation, elle fait l'interfaçage entre le matériel et bien sûr et les applications des utilisateurs. L'utilisateur ou bien l'application de l'utilisateur demande une opération d'entrée-sortie. On spécifie un nom logique. Par exemple, je veux lire sur le disque, je veux lire sur la disquette, je veux lire sur le CD-ROM. Et donc, un nom logique du support, donc la périphérique, et c'est le système d'exploitation qui s'assure qu'un processus n'utilise. Donc, lorsqu'un processus a besoin d'accéder au matériel, et le système d'exploitation vérifie tout d'abord est-ce que le processus en question a le droit d'utiliser les ressources. Parce que, donc, c'est ça la protection. On ne peut pas utiliser que les ressources qui sont allouées à chaque processus. S'il a le droit, il prend en charge les caractéristiques du dispositif d'entrée-sortie. S'il s'agit d'un disque, d'un disquette, d'une bande magnétique, de la carte réseau, etc. Donc, il doit savoir comment récupérer de l'information ou mettre de l'information là-dedans. Donc, il va essayer de un petit peu donc de communiquer avec le matériel via ce qu'on appelle le contrôleur ou bien les pilotes parce que chaque périphérique, il a un pilote donc, pour le gérer. Un processus désirant. Donc, pourquoi on a dit qu'un processus qui va faire des entrées-sorties, il va se bloquer. Un processus désirant faire une entrée-sortie fait appel à un module d'un système d'exploitation, par exemple scanf, printf, en lui transmettant les paramètres qui précisent la nature d'entrée-sortie. Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que c'est une écriture ou lecture? La quantité d'information, est-ce que c'est un octet, est-ce que c'est un bloc, etc., à transférer. Le module appelé, le module, donc c'est un module du système d'exploitation. Donc, le module appelé analyse la requête donc, du processus utilisateur et signale les erreurs éventuelles. Donc, est-ce que la périphérique inexistante, périphériquement allouée, donc s'il y a des erreurs, il doit laisser. Si tout ça marche bien, si la requête est correcte, alors elle lance le transfert en exécutant des instructions appropriées. Donc, elle lance le transfert des données en évoquant, bien sûr, donc en exécutant les pilotes. Donc, les pilotes, elle essaye de communiquer. Donc, c'est un intermédiaire aussi entre le système d'exploitation et, bien sûr, et le matériel qui est un petit peu le matériel purement électronique. Elle bloque. On doit bloquer le processus demandeur. On bloque le processus demandeur jusqu'à la fin des entrées-sorties. Elle appelle le scheduler. Donc, ça c'est un mot anglais. Scheduler, c'est l'ordonnanceur. Elle appelle l'ordonnanceur pour sélectionner, pour lui demander de lire. Donc, ça, c'est lorsqu'un processus se bloque, il faut élire, il faut sélectionner ou bien élire un autre processus dont l'état est prêt pour que le processeur travaille. D'accord?
Donc, il y a deux types de périphériques d'entrée-sortie, ceux qui utilisent caractère par caractère et donc ceux qui utilisent un bloc de données. Par exemple, les blocs le disque, il travaille lui par un bloc 512 ou 1024, alors qu'il y a d'autres qui utilisent stream 1 caractère par caractère. Deux catégories du périphérique d'entrée-sortie, les périphériques bloc disque et les périphérique caractère, le terminal, c'est celui qui affiche les informations, ou bien même le clavier. On peut envoyer un caractère par caractère, ou bien on peut envoyer un ensemble de caractères. Un périphérique bloc, s'il s'agit d'un périphérique bloc, mémorise les informations des blocs de taille fixe. Chaque bloc a sa propre adresse. Donc, on va voir ça lorsqu'on va gérer le disque dans le quatrième chapitre. La taille d'un bloc peut être 512, donc le disque, c'est un ensemble de pistes. Chaque piste, il contient des secteurs. Chaque secteur, donc, c'est un ensemble de blocs, etc. Par exemple, pour les disques, donc, une des caractéristiques du super est qu'ils permettent d'adresser un bloc indépendamment des autres. Donc, lorsque on transfère un bloc, c'est tout un bloc de données, donc, indépendamment des autres. Chaque bloc a son adresse, donc je prends tout le bloc, je le transfère dans un sens ou d'un autre. Ça veut dire dans un sens, de disque vers la RAM ou de la RAM vers le disque, en écriture ou bien en lecture. Un périphérique caractère, donc le deuxième caractère, accepte un flot de caractères sans aucune structuration, terminal, souris, clavier. Les contrôleurs du périphérique, les dispositifs sont constitués de deux parties. Partie mécanique, par exemple le moteur, le chariot pour lancer, pour tourner le disque et pour positionner la tige de lecture, etc. Une partie électronique appelée contrôleur, donc, ou adaptateur. En général, un contrôleur est une carte de l'ordinateur relié à la périphérique. Un contrôleur peut être utilisé pour plusieurs périphériques du même type. Qu'est-ce que le pilote? On va essayer de. Le pilote, ou bien le driver en anglais, un ordinateur est constitué d'un assemblage de périphériques. Par exemple, vous voyez que chaque fois qu'il y a un nouveau périphérique, on peut le brancher sur l'ordinateur, mais il faut installer les périphériques. Une nouvelle imprimante que votre ordinateur n'a jamais vue. Donc, pour qu'elle fonctionne sur votre ordinateur, il faut installer le pilote qui va essayer de faire la communication entre le système d'exploitation et votre périphérique qui est l'imprimante. Pour pouvoir contrôler chacun de ces périphériques, le système d'exploitation a besoin d'une interface logicielle entre lui et le matériel. On l'appelle le driver, pilote ou gestionnaire du périphérique en français. Donc, si vous trouvez driver, pilote ou gestionnaire de la périphérique, ce sont un petit peu le logiciel qui va avec pour que le périphérique fonctionne sur un système d'exploitation. Donc, lorsqu'on installe, est-ce qu'on va l'installer sur Windows, par exemple, sur iOS ou bien sur Linux, etc. Donc, si ça dépend de la communication entre le matériel et le système d'exploitation via ce driver. Les programmes permettent au système d'exploitation de gérer le matériel. Le rôle du driver est de jouer les intermédiaires entre le système et les cartes d'extension ou bien les périphériques externes. Les drivers sont développés par les fabricants. Le fabricant de l'imprimante, par exemple, c'est lui qui, lorsqu'il construit le matériel, il conçoit le logiciel pour faire la communication entre la périphérique et le système d'exploitation. Donc, les drivers sont développés par les fabricants du matériel auquel ils correspondent. Ils correspondent à la base. N'importe quel périphérique, y compris le matériel de base, a besoin de driver. Donc, pour charger le système d'exploitation, donc le système d'exploitation, on a dit qu'il est sur le disque ou sur un serveur, vous avez besoin d'accéder au disque. Or, comment faire pour accéder au disque dur si votre système d'exploitation n'est pas encore chargé? Donc, le système il est sur le disque et donc on doit faire la communication entre cette périphérique, donc le disque et la machine. Si le BIOS, donc si le système n'est pas encore chargé sur la RAM, si le BIOS qui est au démarrage de l'ordinateur, on a dit qu'il est sur la ROM, c'est un système d'exploitation rudimentaire qui agit qu'un système en permettant en composantes vidéo, carte vidéo, disque dur, lecteur d'une disquette, clavier, carte réseau de démarrer grâce à des pilotes standards qui sont sur le BIOS. En effet, le BIOS permet d'amorcer la carte graphique qui lui est
qui a elle-même des fonctions graphiques qui vont permettre d'afficher les premières informations. Lorsqu'on allume l'ordinateur, donc on voit les informations qui s'affichent sur notre écran. Donc, c'est un petit peu la carte graphique qui les affiche, mais c'est le BIOS qui contrôle la carte graphique. Parce que le système d'exploitation, il est encore sur le disque et il n'a pas été chargé. Après, une fois le système d'exploitation amorcé, donc on parle de l'amorçage, ou bien, donc celui-ci va pouvoir prendre lui-même le contrôle de certains périphériques grâce au pilote fourni. Donc, le système d'exploitation, elle prend donc le contrôle du périphérique et bien sûr chacune des applications utilisateurs qui ont besoin d'accéder à ces périphériques, elle va les prendre en charge, bien sûr, en communiquant avec les pilotes du matériel ou grâce à des pilotes standards propriétés développés par le fabricant. Et donc, on peut par exemple, donc, il y a par exemple les pilotes, il y a des pilotes qu'on doit installer, et bien sûr, il y a des pilotes qui sont toujours donc reconnaissables par le système d'exploitation. Donc, imaginez qu'on va essayer d'écrire sur les disques pour transférer les données sur un disque à partir de la RAM sur le disque, RAM vers le disque dur, disque dur par exemple un F brand F. Le pilote de ce disque émet les commandes aux adresses adéquates dans le registre de contrôleur. Ces commandes sont la mise en route éventuelle, il faut tourner le disque, le positionnement de la tête sur le bon cylindre, l'instruction d'écriture avec les paramètres nécessaires, notamment le secteur où écrire le bloc. Le pilote transmet ensuite les données à écrire dans le tampon de contrôleur, donc à partir de la RAM vers un tampon. Donc, le tampon de contrôle avant de le faire passer sur le disque pour les graver, etc., pour le mettre sur les blocs de données. Puis, il se bloque en attendant la fin des entretiens. Il se bloque jusqu'à ce que ce transfert est terminé. Lorsque le transfert est terminé, le disque va indiquer que le transfert est terminé. Donc, voilà, il peut passer à l'état. Prêt. Donc, on a dit qu'au niveau de la machine, la communication entre le processeur et la mémoire se fait directement via le bus, via le bus de données, le bus d'adresse. Et pour les autres périphériques, le disque, le terminal, le serveur, etc., on a besoin bien sûr donc des contrôleurs pour communiquer avec l'imprimante, pour communiquer avec le disque. Nous avons parlé aussi de la DMA, donc pour accéder, donc pour faire le transfert des données de la mémoire vers une périphérique bien précise, le terminal, etc., donc sans passer par la CPU, par le processeur. Donc c'est un type particulier d'interface intelligent qui est capable de transférer les données directement de la mémoire vers, par exemple, le disque, ou vers l'imprimante, ou vers un terminal, de la mémoire à un périphérique, ou dans l'autre sens, on peut même lire à partir, donc on ne peut pas lire à partir de l'imprimante, on peut lire à partir d'un micro, etc., ou à partir du clavier, sans que ces données se transitent par l'unité centrale. Voilà, c'est ainsi que se termine le deuxième chapitre. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, j'arrête le partage, j'arrête aussi l'enregistrement.